Alors, je considère ton silence en ce qui concerne le voyage pour un oui, n'est-ce pas? Pourquoi cette fête de Noël? Eh bien, ma mère veut que je me case avec cette dame. Elle s'appelle Zoé. Mais le truc est que je ne pense pas que je sois prêt à me caser encore. Ou peut-être que je ne l'aime pas assez. Alors, j'espère que tu pourras m'aider en te présentant comme ma fiancée. Te comporter comme si on était fiancés, sur le point de nous marier. De cette façon, ma mère pourra oublier Zoé et moi. Et tout sera réglé. Ok. Merci. La société de collaboration Stalen veut collaborer avec nous sur un projet à grand risque que le gouvernement fédéral demande aux entrepreneurs de faire une offre. Leur PDG aimerait avoir une réunion avec vous. Un instant. S'il te plaît, redis-le. Oui, monsieur. La société de construction Stalen aimerait collaborer avec nous sur un projet à grand risque que le gouvernement fédéral demande aux entrepreneurs de faire une offre. Leur PDG aimerait... Non. Je ne comprends pas, monsieur. Non? Mademoiselle Idara, eh bien, à ma connaissance, si je peux le dire comme ça, le mot MOM veut dire une seule chose. Nous n'allons pas perdre des collaborateurs dans l'entreprise. Qu'ils fassent leur offre et on fera les nôtres. Que l'entreprise la plus crédible gagne. C'est tout. Bien, tu peux partir maintenant. Excusez-moi, monsieur. Une certaine Madame Chantal est ici pour vous voir. Elle dit qu'elle a été envoyée par Tiana. Je ne pense pas que je me souvienne de ce nom, mais si elle prétend qu'elle a été envoyée par Tiana, laisse-la entrer. D'accord, monsieur. Salut, bébé. Mes excuses, je ne pense plus que je me souvienne de ton visage. Pour ne pas parler de ton nom. Je suis la dame chez Tiana. Ok, Tiana, je la connais. Et elle a été mon contact auprès d'un tas de gens, alors je ne pense pas que je vais pouvoir me rappeler de chacun d'entre eux. Comme je l'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Toi, bébé. Excusez-moi, monsieur. Hey, je ne vais pas permettre quoi que ce soit que tu aies là-haut, dans ta tête ou autre part, pas pendant les heures de travail. Alors c'est à ce moment que tu dois partir, pendant que je repars travailler. Eh bien, je suis juste venue pour dire merci pour les 500 000 naira que tu m'as donné l'autre jour. J'ai été capable de payer ma scolarité et même avoir un nouvel appartement. Alors, merci. Peux-tu me rappeler comment tu t'appelles? Chantal. Ou alors tu pourrais m'appeler Sexy Choco. Ok, alors, Sexy, ou peu importe comment tu t'appelles, Choco. Ok? Ouais, je t'ai entendu. Merci de me remercier. Et peu importe ce dont tu auras besoin, va voir Tiana, ok? Je ferai de mon mieux pour t'aider. Mais en ce moment, je dois vraiment retourner travailler. Alors va-t'en, j'appelle la sécurité. Je veux juste ton numéro. Tiana a refusé de me le donner. Et qu'est-ce que tu fais croire que je vais te le donner? Toi et moi n'avons rien à faire ensemble. Peux-tu partir maintenant? Ok. Mais je veux juste trois choses de toi. Ton numéro de téléphone. Un selfie. Un baiser. Es-tu folle? Ou alors tu préfères un coup vite fait? Je suis partante. Hey, écoute,
Je ne sais pas qui t'a envoyé ou ce que tu fais dans mon bureau. Mais tu dois partir et je te promets que si tu ne t'en vas pas, je vais t'embarrasser. Je vais appeler la police. Va-t'en. Ce sera rapide. Sors de mon bureau. Il n'y a personne. Sors de mon bureau maintenant. Bébé. Excusez-moi, monsieur. J'en ai terminé pour la journée, monsieur. Non, pas du tout. Est-ce que quelque chose ne va pas? Tu vas bien? Je vais bien, monsieur. Très bien, alors. Vu que tu n'es pas prête à me dire quel est le problème, j'ai peur que tu n'aies pas ma permission pour partir. Je ne m'attendais pas à ce que quelque chose de sérieux se passe entre nous. Mais je mérite d'être respectée. Parce que vous avez une fois embrassé mes lèvres et me mentir. Je ne me suis jamais sentie aussi utilisée de toute ma vie. J'ai tellement mal au cœur que je ne le supporte pas. Est-ce que tu dis tout ça à cause de la dame qui était ici? Vous avez couché avec elle. Quand? C'est ce qu'elle t'a dit? Que j'ai couché avec elle? Allez, je croyais que tu t'es au-dessus de tout ça. Heureusement, tu te comportes comme un enfant. Pourquoi est-ce que vous mentez? Elle est votre petite amie. Quoi? S'il te plaît, sors de mon bureau. Comment ça s'est passé? Ah, ça s'est très bien passé. Trop bien même. Il avait visiblement peur. Bien. Je t'envoie quelque chose dans ton compte tout de suite. Tu es une bonne fille. Merci, maman. Merci beaucoup, t'es la meilleure. Merci aussi. Et tu as dit que c'était une urgence. Je suis venu aussi vite que je le pouvais. Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Je voulais juste te voir. Et tu peux voir ma nouvelle maison. Si je t'avais pas dit que c'était une urgence, je sais que tu n'allais pas venir. Diana, tu ne peux pas continuer de faire ça. Tu sais que je suis un homme occupé. Richard, tu m'as manqué. Nos week-ends ensemble me manquent. Je dois commencer à partir. J'ai beaucoup de dossiers au bureau et je dois tous les examiner. Maintenant, tu me traites comme de la merde. Non, je ne pourrai jamais te traiter de la sorte. Richard, est-ce que tu peux me donner ton temps? Un jour? Une nuit? Une heure? Juste une fois de plus? Une dernière fois, s'il te plaît? S'il te plaît, Richard. S'il te plaît. Une dernière fois?
Une dernière fois. C'est quoi ça? Je démissionne. Je suis vraiment obligé de le faire. Oui. Pourquoi avez-vous fait ça? Vous ne pouvez pas me forcer à rester. Idara. Je ne vois pas la raison pour laquelle tu vas te tracasser pour quelque chose qui est aussi inutile. Si tout ça c'est à cause de la dame d'hier, je t'assure que rien ne s'est passé entre nous. Je ne sors pas avec elle. Je ne suis jamais sorti avec elle. En fait, je ne sors avec personne. Alors, si une femme s'approche de toi et te dit que je suis dans une relation avec elle, elle est sans doute en train de te mentir ou te rouler dans la farine. Pour l'amour de Dieu, pendant les 3 dernières années de ma vie, je n'ai pas été en couple. Je l'ai prise de chez Tiana pour l'hôtel ce jour-là. Oui, tu l'as fait. Et alors quoi? À quoi est-ce que cela sert? Ok. Bien, j'ai essayé de voir si quelque chose pouvait marcher entre elle et moi. Mais c'est avéré qu'elle ne soit même pas mon genre. Alors je lui ai donné ce qu'elle voulait, elle est partie. Qu'est-ce qu'elle voulait? Pourquoi est-ce que tu t'éloignes de moi? Je lui ai donné de l'argent. L'argent pour payer sa pension. Et c'est ça, elle s'en est allée. Je suis désolé. Allez. C'était juste de l'argent et c'est tout. Nous n'avons rien fait, je suis désolé. Je lui ai juste donné de l'argent et c'était tout. Allez. Mon patron veut que je l'accompagne pour voir ses parents. Non, il a dit quelque chose sur sa mère qui voudrait qu'il épouse une fille qu'il n'aime pas. Ma puce, mais attends, laisse-moi parler. Je n'ai rien à voir avec lui, franchement. Il a dit qu'il veut que je l'accompagne chez ses parents et je suis tellement excitée. Souhaite-moi bonne chance. Tu vas aussi me manquer.
Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle Dorothée. Est-ce que tu as vu mademoiselle Idara? Elle est arrivée très tôt, elle a déposé les clés de la voiture, puis elle est partie. Est-ce qu'elle t'a parlé de quelque chose ou avec quelqu'un d'autre? Monsieur, est-ce qu'elle était censée le faire? Non. Te dérange pas. Ok. Je ne veux plus travailler avec toi. Nous devons parler. De quoi? De toi et moi. De ce qui s'est passé chez Tiana. Tu es vraiment venu ici pour me mentir? Pour me raconter des mensonges sur toutes ces filles? As-tu oublié qu'avant que je ne tombe amoureuse de toi, tu m'as envoyé maintes fois pour aller chercher ces filles? Et les emmener dans les hôtels différents de ton choix. Pourquoi est-ce que je m'énerve en fait? Je savais que tu as toujours été un joueur. Tu as toujours été un tricheur. Couchant partout avec les filles d'Abuja. Pourquoi est-ce que je me suis trompée en croyant que tu allais changer. Idara. Tu ne pourras jamais, jamais changer. Je ne vais rien changer de tout cela. Je suis si né pour me défendre. Au fait, ça a toujours été une addiction pour moi. J'espérais que tu pourrais m'aider à le résoudre. Qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas ici pour te demander de reprendre le service en tant que mon assistante. Mais j'ai déjà parlé à mes parents de toi. Ils t'attendent. Je leur ai dit que je t'amènerai à la maison. S'il te plaît, fais-moi juste cette dernière faveur. Mensonge. Non. Gros et sale mensonge. Non. Je sais que je ne te mérite pas. Je sais que j'étais vraiment blessé. Mais en ce moment, comme je te l'ai dit, mes parents t'attendent. J'ai pigé ce que tu as dit. Si tu me vois, parfait. Si tu ne me vois pas, parfait. Et encore une chose, je vais partir de ton appartement ce week-end. Pourquoi? Parce que je ne travaille plus pour toi. Eh bien, je ne me souviens pas que tu aies envoyé une lettre. J'ai rédigé une lettre de démission et tu l'as déchirée en morceaux. Vraiment? Et comment se fait-il que ma mémoire m'échappe parce que je ne me souviens d'aucun de ces détails? Quand tu veux tricher, tu fais semblant d'être amnésique. Eh bien, maintenant tu t'en souviens. Maintenant, tu le sais. Eh bien, quand tu l'auras oublié, Idara, ton contrat d'emploi affirme clairement, dans un cas où un employé compte démissionner, un tel employé doit rédiger une lettre de notification pour au moins une période de 3 mois, avant une lettre de démission. Alors, techniquement, tu travailles encore pour moi. Je sais pourquoi tu veux l'épouser. C'est parce qu'elle est belle. Suzanne,
Laisse-le se reposer. Il mange. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Un homme doit se marier pour la bonne raison. Qui est la beauté? Parce qu'aucune mère ne veut que ses enfants, ses petits-enfants soient laids. Même si quelqu'un le voulait, je ne voudrais pas avoir de petit-fils moche. Je veux qu'il soit magnifique, comme je le suis. Maman, pourrions-nous avoir cette conversation quand on aura terminé de manger? C'est vrai. C'est pas le bon moment de parler de ça. C'est vrai, ce n'est pas le bon moment de parler de ça. C'est mieux. Je sais que tu es amoureuse de mon fils. Je peux le voir dans tes beaux et grands yeux. Maman. Je suis désolé pour ce spectacle que ma mère a exhibé. C'est bon. Je l'aime bien. Ok. Et je suis aussi désolé de n'avoir pas soulevé ça tôt. J'ai voulu te le demander il y a très longtemps. Aurais-tu la gentillesse de me parler, eh bien, de ta famille? Mon père est mort quand j'avais 10 ans. Et ma sœur n'avait que 2 ans. Ma mère s'est battue toute seule pour nous élever, ma sœur et moi. Elle est retraitée maintenant. Elle enseignait à l'école publique. Donc, il n'y a que toi et ta sœur maintenant? Oui. Ok. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que je pourrais faire? Pas nécessairement. Tu en es sûre? Bien sûr. La rose est ma couleur préférée. J'aurais aimé avoir une fille qui partagerait mon goût vestimentaire et peut-être partager mes jolis vêtements avec moi. Malheureusement, je n'ai pas arrêté d'avoir des séries et des séries de fausses couches après que j'ai eu mon Richard. Désolée pour ça. C'est bon. Ça fait un très long moment. Alors, dis-moi, que fais-tu? Je travaille en tant qu'assistante dans l'immobilier, madame. Ça veut dire que c'est là-bas que mon Richard t'a rencontré? Parce qu'il en possède un aussi. Enfin, mon fils va épouser une belle femme. Tu lui donneras beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Qui vont enfin hériter de la richesse des Kalou et continuer avec l'héritage de leur grand-père. Ne prête pas attention à Richard et à tout ce qu'il raconte à propos de la maternité, d'accord? Je ne sais pas pourquoi il se met en colère contre moi, à chaque fois que je parle des choses traditionnelles. Ma puce, en tant que femme, avoir beaucoup d'enfants est un avantage. C'est une grande bénédiction de Dieu. Et je n'ai pas eu la chance d'en avoir beaucoup. C'est pourquoi je crois que Dieu ne m'a pas bénie. Oh. Ça, c'est la vérité. Dieu ne m'a pas bénie. S'il te plaît, ne dis pas ça. Au moins, je t'aime maintenant. Tu vas me donner un tas de petits-fils. De beaux garçons, des filles, partout dans cette maison. Magnifique comme tu l'es, n'est-ce pas? Tu vas m'en donner beaucoup. Sois la bienvenue. Merci. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Non. En fait, fais tout ton possible de prendre bien soin de toi. Parce que nous avons un héritage à protéger. Tu comprends? Alors, quand tu vas rentrer, rassure-toi que... Ah, ma fille! Dieu te bénira. Amen. Amen.
Amen. Et s'il te plaît, prends bien soin de toi-même. Je le ferai. S'il se comporte mal, n'hésite pas à m'appeler pour me le dire, hein. T'as qu'à m'appeler. Comment se fait-il que c'est toujours moi qui se comporte mal? Je sais que je déteste voyager. Mais pour toi, je viendrai vous rendre visite pour savoir comment tu te portes. Merci, maman. Prends soin de toi, ok? Oui, maman. Et merci d'être venue. Je vais te conduire à ta portière. Okay. Écoute. Prends bien soin d'elle. C'est une bonne femme. Je sais. Je l'aime. Papa, je vais déposer la clé de la voiture à l'hôtel. Comme ça, Joseph pourra venir chercher la voiture. Il n'y a pas de souci. Tu sais quoi faire. Merci, papa. J'ai rien. Je voulais te remercier pour le service que tu m'as rendu. Il n'y a pas de quoi. Quoi? L'argent que je t'ai promis que j'allais te donner après le service. Je n'échoue jamais à mes promesses. Ce ne sera pas nécessaire. Je me suis amusée. D'ailleurs, j'aime tes parents. Eh bien, si comme j'ai dit, tu recevras ton paiement, reste près de ton téléphone. Bye. Bye. Oh mon Dieu! Ah! Oh mon Dieu! Ah! Oh bonté divine! Ah! 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 Ma petite Sacha! Ma petite! Il n'y a absolument rien du tout que tu vas me dire cette fois-ci! Tu t'es finalement trouvé un mec? Non, aucun homme. En fait, je recherche un homme, tu vois. Richard Kalou est amoureux de toi. La façon qu'il te regarde dans toutes ses photos. Vraiment, copine, tu dois ouvrir tes yeux que ces petites filles ne l'arrachent pas de toi. Il n'est pas comme ça. Mais attends, Ida. Tu m'étonnes. Tu veux me dire que tu as eu le courage de me cacher un tel secret? Tu sors avec le patron? Je comptais tout te raconter. Tu sais, mais c'est arrivé tellement vite avant que je ne le sache. Je tombais déjà amoureuse. Alors dis-moi, est-ce que vous avez déjà... Ma puce, les murs ont des oreilles, tu sais. D'accord, donc, ne t'en fais pas. Tu vois tous ces secrets que tu me caches, je vais les découvrir un jour. Je t'en prie, meuf, lâche-moi. Alors, qu'aimerais-tu manger? Est-ce que tu as faim? Oui, mais laisse-moi d'abord finir avec ceci. Qu'est-ce que tu as? J'ai tout. Madame Kalou. La future milliardaire. Ne t'en fais pas. Nous allons y arriver. C'est quoi tout ça? Nous allons y arriver. Je l'avoue, tu m'as gâtée. Waouh, je me suis vraiment... Ah, il y a de quoi. Tu as fini deux marmites. Vraiment? Mais attends, Ida. Ça fait combien de temps que tu connais Richard pour connaître absolument tout ça? Ma petite, n'y va pas. Il ne s'agit pas de combien de temps, mais à quel point. Ah ouais? Excusez-moi, comment est-ce que je peux vous aider? C'est toi, Idara? Oui, bien sûr. Eh bien, mon nom est Chioma et je suis la fiancée de Richard Kalou. Je sais que tu es choquée.
C'est pour ça que je suis ici, pour te parler de femme à femme. Comme je te l'ai dit plus tôt, mon nom est Chioma. Et je suis enceinte de 3 mois de Richard. Oui, il ne m'a pas abandonnée. En fait, il rentre encore à la maison pour moi. Attendez, vous dites que vous vivez ensemble? Oui. Alors, pourquoi es-tu venu ici pour me donner cette information? Pour ton propre bien. Parce qu'il va t'utiliser et t'abandonner. Exactement comme il m'a utilisé. Tu pourrais prendre ça comme un conseil, un avertissement ou une menace. Je ferai une vidéo de vous deux si tu ne t'éloignes pas de mon homme et je vais la poster sur les réseaux sociaux. Allô, Richard. Une femme vient de quitter ma maison maintenant. Elle s'appelle Chioma. Elle vit avec toi. Et elle est enceinte de toi. Comment se fait-il que tu ne m'en aies pas parlé depuis tout ce temps? Copine, tu dois te calmer. Calme-toi. Il dit qu'il ne sait rien sur une Chioma. Il pourrait dire la vérité. Tu ne connais pas toutes ces filles. Elles peuvent tout faire pour avoir un homme aussi riche que Richard Kalou. Ça pourrait être l'un de leurs pièges. Non. Ce n'est pas un piège. Pour qu'elle soit assez courageuse de venir ici pour me le dire. Ce n'est pas un piège. Tu ne connais pas ces filles. Elles peuvent absolument tout faire pour avoir un homme aussi riche que Richard Kalou. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je n'ai jamais été aussi embarrassée de toute ma vie. Monsieur Fayot, je te demande encore, qu'est-ce qui te tracasse? C'est quoi le problème? Désolé, monsieur. Mais il y a un problème. Ok. La dame qui s'appelle Chioma a posté une vidéo dans les réseaux sociaux. Elle raconte aux gens comment vous avez couché avec elle. Les commentaires dans cette vidéo sont faux. De quoi est-ce que tu parles? Je veux dire, qui est Chioma? Quelle vidéo? Bien, comme mon mec Richard Kalou ne veut pas prendre ça paisiblement, j'ai décidé de le dévoiler sur les réseaux sociaux. Oui, Richard Kalou, je t'appelle ici. Comme tu as refusé d'assumer tes responsabilités en tant que père de notre futur enfant. Tu as même amené ton assistante hors du pays et tu m'as laissé souffrir. Richard Kalou, Dieu va te juger. Dieu va te juger avec toutes ces personnes qui supportent ton stupide comportement. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi est-ce que tu me traites de la sorte? Pourquoi? Ah.
Monsieur, je pense qu'on devrait la dédommager. La dédommager pourquoi? Tu me demandes de dédommager une folle sur les réseaux sociaux que je ne connais même pas. C'est fou pour savoir à quel point ces idiots des réseaux sociaux iront pour terner l'image des autres. Je ne connais même pas cette fille. Je ne l'ai jamais rencontrée de toute ma vie. Je veux qu'on l'arrête. Immédiatement. Je pense. Je ne te prie pas pour que tu réfléchisses à ma place. Maintenant, fais ton travail. Va-t'en. D'accord, monsieur. Qui es-tu? Et qui t'a payé pour ternir mon image? Personne ne m'a payé, monsieur. J'ai flashé sur vous, ça fait des années. Et vous ne m'avez jamais regardé. Je devais faire quelque chose pour vous pousser à vous rapprocher de moi. Je connais votre maison, votre bureau. Je connais tout sur vous, l'une de vos employées. Je suis même au courant de Tiana. Alors, tu veux dire que tu as payé des blogueurs, journalistes. Tu as inondé tout Internet et augmenté ta page à plus d'un million de spectateurs juste parce que tu as flashé sur un homme. Est-ce que tu réalises la gravité de tes actes? Est-ce que tu réalises à quel point tu as détruit ma relation pour ne pas parler de mon prestige et mon affaire? Je suis désolé, monsieur. Désolé, mon œil. Tu t'es infligé ça toute seule, mais alors qu'est-ce qu'on va faire de toi? S'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai fait ce que j'ai fait par jalousie. Jalousie? Jalousie. Pourquoi est-ce que tu souris? Je viens de me rappeler que je... Je t'ai vraiment jamais dit à quel point je t'aimais. Je t'aime aussi. Vraiment? Comment se fait-il que tu me l'as jamais dit? Tu ne l'avais jamais dit également. Eh bien, je pense que cela facilitera les choses pour ce que je suis sur le point de faire maintenant. Quoi? Mademoiselle Ida Thompson, feras-tu de ma vie imparfaite, parfaite, en devenant ma femme? Oui. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.